La dame là, c'est une maman qui fait l'œuvre de Dieu. L'histoire a commencé, comme il a dit Ouattara au début, c'était lors d'une vente privée. Effectivement, la maman a approché Dame Niaouré et l'autre là, sa copine là, comment elle s'appelle? C'est pas Dame Niaouré seule, sa copine là, qui vend les sacs à main là. Ariane. 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 Céleste. Non, pardon, pas Céleste. Ariane Yao ou bien quoi là? C'est les Ariane deux. Yao. La dame a proposé ses produits à Dame Niaouré. Et quand la dame proposait ses produits à Dame Niaouré, elle a dit, mon médicament s'appelle miracle de Dieu. Je sais, miracle de quelque chose. Ça soigne plus de 1000 maladies. C'est la dame qui a sorti la phrase, plus de 1000 maladies. J'ai les preuves de ce que j'avance. Dame Niaouré, elle dit, elle est chrétienne. Si c'est faux, elle prend la Bible, elle met sa main dessus. Moi, je suis musulmane. Je prends le Coran, je mets dessus. Si ce n'est pas la dame qui a prononcé pour la première fois, mon médicament s'appelle miracle, mais ça soigne plus de 1000 maladies. Donc, le médicament lui seul avait deux noms. C'est comme ça, Dame Niaouré a pris le médicament qu'elle allait essayer. Elle a vu que le médicament était efficace. Elle a dit à la dame que miracle quelque chose, 1000 maladies, c'est long. Comme le médicament va être consommé par des musulmans, par des chrétiens, par des non-musulmans et autres, Oui. le Tu mieux, enlèves le commentaire là, tu fais le live là sur Louvain. Allez donc m'aider. le mieux, vous m'écoutez? Moi aussi, t'as apporté le live là. Depuis, on n'a pas un million. Vous êtes fait beurrer, j'arrive. Aya, ils t'apportent pas live, les Vos doigts exagères. Ils des aiment trop fanari là, beurrer. vos Ils n'ont qu'à doigts tapoter. possédés là, vos doigts vous posez pour vous mettre en. Ne me faites pas parler. Prenez pour tapoter le live. Vous t'apportez pas, à couper le commentaire à cause de Ayao. Allez, vite, ma belle dame. Le live, on bien renchérit les choses. Tu comprends? Tapoter la Donc, famille. au lieu que on va mettre le nom assez long, on va couper. Nous, on préfère que ce soit 1000 maladies. Dame Niaouré, tu peux sortir pour venir témoigner. Si c'est ce que je suis en train de dire, toi et la dame, ça ne s'est pas passé entre vous. Parce que moi, je viens des sources sûres, du source directe de chez direct. Donc, quand ils ont commencé le marché, il y a chose, un prix que la maman là, avait donné à Dame Niaouré. Mais Dame Niaouré n'a pas déboursé un pesos. Je dis bien, et je pèse mes mots, un pesos. Dame Niaouré vendait les médicaments de la maman là et elle partait après verser l'argent à la maman. C'est comme ça qu'elle fonctionnait. Ariane aussi prenait les médicaments avec la maman et par la suite elle partait verser l'argent à la maman. Vous avez compris. Un moment donné dans la vente, Dame Niaouré maintenant, comme elle vend, ça va, l'argent rentre. La maman n'a qu'à lui donner les compositions du médicament. Si elle dit c'est faux, elle n'a qu'à monter. Ses parents n'ont qu'à monter pour venir mettre leurs mains sur la Bible. Que moi, ce que je suis en train de dire là, c'est faux. Où le palabre a commencé, ce n'est pas une histoire d'argent. Hein. C'est une histoire que elle veut que la dame lui donne ses compositions parce que d'après elle, elle va venir en France. Elle ne peut pas venir avec l'eau des médicaments là. Elle veut venir avec les feuilles pour venir faire une exposition. C'est comme ça la maman lui a dit. Je ne peux pas te donner la composition de mes médicaments. Vous comprenez? Voilà où les quiproquos ont commencé. Si tu ne peux pas me donner les composants du médicament pour que moi-même je fabrique, dans ce cas-là, on va rompre le contrat qui est entre nous. La maman dit, mais ma fille, comment je suis partie vers toi là? Je t'ai expliqué tout ce que je vis. Je suis une mère célibataire et j'ai quatre orphelins que je nourris. J'ai une cellule que je gère. Il y a des personnes qui comptent sur moi. Si tu romps le contrat là-haut, tu ne vois pas que tu vas me mettre dans les difficultés. Tiam Niaouré dit, ce n'est pas son problème. Et par ricochet, elle est passée derrière la dame pour aller contacter quelqu'un avec laquelle la dame fait les médicaments là. La personne n'a qu'à lui donner, comment on appelle ça, les composants. Vous comprenez? Donc quand la personne a donné les composants à Dame Niaouré là, ça n'a pas donné le même résultat. Parce que comme la maman a dit, il y a Dieu dans son affaire. C'est Dieu qui lui a donné la composition. Et quand elle finit de composer ses produits-là, elle prie dessus avant de vendre. Mais la personne peut te donner les composants. Est-ce que la personne va prier comme la femme prie dessus pour donner là? Vous comprenez?
Donc, Dame Niaouré, faut pas que quelqu'un va venir dire que Dame Niaouré a raison. Au départ, Dame Niaouré est comme Aya a dit là. Parce que je mettais beaucoup de commentaires. Elle est comme représentante. Mais une représentante qui a mangé plus que la personne même qui vend. Plus que la personne à qui ça appartient. La dame s'est jamais plainte. Mais tu peux pas venir me dire de te donner mes sources. C'est pas possible. Aya, tu vends Magic Miracle. Je peux venir prendre Magic Miracle pour aller vendre. Si je veux, je n'ai qu'à changer le nom. Faut pas que ça va être Magic Miracle. Mais venir te demander de me dire comment tu fais Magic Miracle là. Ah, franchement. Aya, toi-même, tu vas jamais accepter de me dire. Si je veux, je prends Magic Miracle avec toi à 5 francs, 5 francs. Je me vends à 10 millions. Ça ne regarde que moi. Si ma clientèle décide de payer à ce prix-là, ça ne regarde que moi. Mais je ne peux pas venir te dire que faut me donner la composition de Magic Miracle. Toi, tu vas me donner, Aya. Tu ne vas jamais me donner. Donc, il ne faut pas que les gens viennent mentir. Pour comme quoi? Parce que Dame Niaouré a commencé à gagner l'argent. La femme est jalouse. Non! La femme n'est jamais jalouse. La femme s'est toujours contentée de son prix d'en gros qu'elle donnait à Dame Niaouré. Mais c'est Dame Niaouré qui a voulu péter plus gros que ses fesses. C'est Dame Niaouré qui a voulu faire sortir plus ses yeux de l'orbite. Tu as raison, ma soeur, je ne veux pas te couper, mais moi, j'ai une anecdote. Dame Niaouré a fait publicité d'une femme sur les réseaux, c'est clair. Et ce n'est pas au début qu'elle commençait là. Mm-hmm. Après, elle a commencé à vouloir vendre les savons. Ah. Et puis ça s'est coupé. Elle et puis la femme là. Moi, j'ai suivi ça depuis le début, quand elle commençait TikTok là. Il y a une femme qui a oublié son nom. Elle est claire comme ça, elle partait en Chine, elle prend les pommades, les savons en gros. Si vous avez bien suivi, elle faisait sa publicité. Après, elle allait prendre les savons et après ça, à Django Rosé. Elle a commencé à vendre ça, les quoi. La femme a trouvé que non. Quand tu fais ma publicité, et puis encore tu veux venir derrière moi pour aller faire chercher ça. Faut pas que mon élan, je suis inspiré. L'esprit de Dieu est sur moi parce qu'il faut que les gens arrêtent la manipulation. Aïe.